On fait d'abord un essai avec, avec rien du tout, c'est-à-dire juste avec un réflexe, juste avec le micro interne du réflexe. Donc évidemment, ma voix ne doit pas énormément porter. Enfin, je vais lire un petit passage d'un magazine. Sur la photo rehaussée de couleur, on voit trois garçons, deux jeunes hommes sur des vélos et un enfant au milieu. Des frères, sans doute. Ce tirage, Sylvia Guillet l'a acheté au puce, dans un joli cadre ouvragé. C'est d'ailleurs celui-ci qui a attiré son attention avant que cette photo de famille ne rejoigne celle qui décore déjà son appartement. Jusqu'à ce que deux ans plus tard, le cadre tombe et la vitre se brise. Sylvia remarque alors sur l'image la trace d'un personnage effacé, comme un fantôme dont on devine la silhouette. Intriguée et renseignée par un nom et une adresse au dos du cliché, Sylvia mène l'enquête. Elle tente de remonter la piste, puis s'adresse à un détective qui retrouvera le personnage central. Commencée comme un jeu, cette enquête pour sauver une personne du néant devient une obsession pour Sylvia, qui parviendra au terme de sa recherche à redonner un visage et un nom à cette femme qu'on a voulu faire disparaître. Je vais lire un passage d'un magazine, juste le temps de retrouver la page, voilà. Alors sur la photo rehaussée de couleur, on voit trois garçons, deux jeunes hommes sur des vélos et un enfant au milieu. Des frères sans doute. Ce tirage, Sylvia Guillet l'a acheté au puce dans un joli cadre ouvragé. C'est d'ailleurs celui-ci qui a attiré son attention avant que cette photo de famille ne rejoigne celle qui décore déjà son appartement. Jusqu'à ce que deux ans plus tard, le cadre tombe et la vitre se brise. Sylvia remarque alors sur l'image la trace d'un personnage effacé, comme un fantôme dont on devine la silhouette. Intriguée et renseignée par un nom et une adresse au dos du cliché, Sylvia mène l'enquête. Elle tente de remonter la piste, puis s'adresse à un détective qui retrouvera le personnage central. Commencée comme un jeu, cette enquête, pour sauver une personne du néant, devient une obsession pour Sylvia, qui parviendra au terme de sa recherche à redonner un visage et un nom à cette femme qu'on a voulu faire disparaître. Alors je fais un nouvel essai avec le modèle Asden, mais cette fois je vais m'éloigner progressivement de la. Je vais m'éloigner progressivement du récepteur qui se trouve sur le réflexe. Et je vais lire un passage, comme tout à l'heure. Vous allez me voir bientôt dans le cadre, si ce n'est déjà fait. Et donc je vais lire un passage en m'éloignant de plus en plus. Je suis là à peu près 20 mètres de distance. Je vais m'éloigner encore un peu plus jusqu'à 35 mètres, 40 mètres à peu près. Sur la photo rehaussée de couleur, je vais me tenir en face, voilà. Sur la photo rehaussée de couleur, on voit trois garçons, deux jeunes hommes sur des vélos et un enfant au milieu, des frères sans doute. Ce tirage, Sylvia Guillet l'a acheté au puce dans un joli cadre ouvragé. C'est d'ailleurs celui-ci qui a attiré son attention avant que cette photo de famille ne rejoigne celle qui décore déjà son appartement. Jusqu'à ce que deux ans plus tard, le cadre tombe et la vitre se brise. Sylvia remarque alors sur l'image la trace d'un personnage effacé, comme un fantôme dont on devine la silhouette. Intriguée et renseignée par un nom et une adresse au dos du cliché, Sylvia mène l'enquête. Elle tente de remonter la piste, puis s'adresse à un détective qui retrouvera le personnage central. Commencée comme un jeu, cette enquête pour sauver une personne du néant deviendra une obsession pour Sylvia, qui parviendra au terme de sa recherche à redonner un visage et un nom à cette femme qu'on a voulu faire disparaître. Voilà, donc là j'étais de face, donc le son normalement doit être à peu près correct. Si je suis de dos, normalement ça devrait pas changer fondamentalement parce que je tiens le récepteur ici, donc ça devrait être à peu près pareil à mon avis. On va voir. Hein. Alors sur la photo rehaussée de couleur, on voit trois garçons. Deux jeunes hommes sur des vélos et un enfant au milieu. Des frères, sans doute. Ce tirage, Sylvia Guillet l'a acheté au puce, dans un joli cadre ouvragé. C'est d'ailleurs celui-ci qui a attiré son attention avant que cette photo de famille ne rejoigne celle qui décore déjà son appartement. Jusqu'à ce que deux ans plus tard, le cadre tombe et la vitre se brise. Sylvia remarque alors sur l'image la trace d'un personnage effacé.
Bon, alors je ne sais pas encore si on m'a entendu correctement. Je vais me remettre de dos, mais cette fois je vais masquer le récepteur avec mon corps pour voir si on m'entend toujours. Voilà, donc là je masque avec mon corps et je lis toujours le passage. Sur la photo rehaussée de couleur, on voit trois garçons, deux jeunes hommes sur des vélos et un enfant au milieu, des frères sans doute. Ce tirage, Sylvia Guillet l'a acheté aux puces, dans un joli cadre ouvragé. C'est d'ailleurs celui-ci qui a attiré son attention avant que cette photo ne rejoigne celle qui décore déjà l'appartement. Jusqu'à ce que, un jour, Sylvia remarque alors sur l'image la trace d'un personnage effacé. Voilà, et je vais faire un dernier essai. Je vais partir de là à peu près et je vais sortir complètement du champ de la caméra, donc qui ne va plus du tout me voir. Donc il va y avoir des murs entre la caméra et moi. Bon, on va voir ce que ça donne. Sur la photo rehaussée de couleur, on voit trois garçons, deux jeunes hommes sur des vélos et un enfant au milieu, des frères sans doute. Ce tirage, Sylvia Guillet l'a acheté aux puces dans un joli cadre ouvragé. C'est d'ailleurs celui-ci qui a attiré son attention avant que cette photo de famille ne rejoigne celle déjà. Un nom du cliché, Sylvia mène l'enquête. Remonter la piste, puis s'adresse à un détective qui retrouvera le personnage central. Commencé comme un jeu, cette enquête pour sauver une personne du néant devient une obsession pour Sylvia, qui parviendra au terme de sa recherche à redonner un visage et un nom à cette femme qu'on a voulu faire disparaître. Voilà, on va s'arrêter là. On va voir ce que ça donne. Donc on effectue un nouvel essai avec le système ASDEN HF, donc un système qui se compose d'un émetteur, hein, d'un récepteur et d'un micro-cravate. Le micro-cravate, il est relié à l'émetteur que je tiens dans la main gauche, la main droite pour vous, et le récepteur est relié à un boîtier réflexe. Le réglage manuel du son est placé sur moins 6 au niveau du boîtier réflexe et moins 4 au niveau du système ASDEN en lui-même. C'est d'ailleurs le réglage par défaut, moins 4 sur le système ASDEN. Donc moins 4 sur le système ASDEN, moins 6 sur le boîtier réflexe. Bon, ce sont mes réglages personnels. Avec vos propres réglages, vous obtiendrez d'autres valeurs où vous aurez d'autres préférences. Donc là, normalement, le son ne doit pas être trop mauvais, puisque je fais face au boîtier, donc je suis à une dizaine de mètres, mais le système HF, normalement, d'ASDEN, supporte très bien une telle distance, puisque le système ASDEN est prévu pour fonctionner avec une distance de 30 mètres en intérieur et 100 mètres en extérieur. Alors 100 mètres, c'est un maximum. Comptez sur 50 mètres de façon sûre. De toute façon, les configurations, on a vraiment besoin d'être aussi loin à 50 ou 100 mètres sont quand même relativement rares, mais ça peut se produire et ça peut avoir son utilité. Donc là, on entend bien le son. Je vais corser un petit peu les difficultés en mettant l'émetteur avec mon corps. Donc c'est normalement le son. Le wifi ne passe pas aussi bien. Il y a un peu de vent, jouer aussi. Peut aussi, peut être aussi un facteur. De 20-25 mètres. Et voilà, et j'ai un animal qui n'était pas prévu dans le cadre, pas grave. Je reviens à mon point de départ. Je reviens à mon point de départ. Donc là, vous devez m'entendre normalement à nouveau à peu près correctement.
Et je vais faire un dernier essai qui évidemment corse la difficulté, c'est de passer derrière le mur d'enceinte. Évidemment, derrière le mur d'enceinte, normalement, le son va avoir beaucoup de mal à passer. Je vais juste attendre que la voiture passe. La voiture. Il y a quelque chose qui met du temps pour arriver, mais c'est toujours comme ça avec les essais. Voilà. Et donc je vais passer derrière le mur d'enceinte. Ça fait d'excellentes nuisances naturelles. Voilà. De nouveau entendre. Voilà. De ce système HF ASDEF, il faut évidemment manier avec précaution hein, pour obtenir un son correct.